Bon, donc, comme vous le savez, Metronome Technologies exploite deux marques, Calista et Metronome. Et ici, on lance sur le salon de Munich une nouvelle gamme d'appareils pour encore plus nous adapter aux nouvelles pratiques musicales. Donc, cette gamme, je suis désolé, va porter un nom anglais. Ça s'appelle Digital Sharing, donc partage digital. Et donc, comme son nom l'indique, ce sont des produits qui vont tous être connectés. Et en gros, ce que tout le monde appelle le streaming aujourd'hui. Hein. Et donc DSC1, c'est le premier appareil de cette ligne. Et en fait, c'est à la fois, bien sûr, un très bon DAC, du niveau, pour les connaisseurs, DSC6 ou C8 existants dans notre gamme actuelle, mais en plus doté d'une fonction lecture réseau et AirPlay. Alors, AirPlay est un peu moins audiophile, mais ça peut être intéressant aussi, d'autant plus qu'on a quand même de plus en plus de fichiers haute résolution et de capacités sur les terminaux mobiles. Voilà, donc un DAC connecté au réseau, connecté bien sûr à tout type d'appareil. Vous le connectez à un serveur, à une platine CD et à tout type d'appareil qui envoie un flux audio. On garde ce qui fait les caractéristiques métronome, on garde du tube, on garde des choses comme ça? Alors, pas de tube dans cet appareil. Par contre, comme d'habitude, un très gros travail sur l'alimentation électrique, hein, puisqu'on a dans ce petit boîtier, enfin petit entre guillemets, on a 4 transformateurs donc de très haut niveau et 10 lignes de régulation. Et le résultat analogique qu'on obtient sur la plupart et sinon sur tous nos appareils est vraiment lié à la qualité, au très haut niveau de finition qu'on apporte à l'alimentation électrique. Disponibilité, prix? Alors l'appareil sera disponible à la vente à partir du mois de septembre et le prix public 17 900 euros.